Chers collègues, nous allons passer à présent à l'examen du dispositif légal du projet de loi relatif au sport. Ce projet de loi comporte 123 articles répartis en 10 titres. Si vous en convenez, nous allons examiner ce dispositif légal titre par titre. Titre premier. Disposition générale. Ce titre comprend les articles 1 et 2. Avez-vous des observations sur ces articles? Pas d'observation. Adopté. Titre 2. Organisation et promotion du sport. Ce titre comprend les articles 3 à 49. Avez-vous des observations sur ces articles? Pas d'observation, adopté. Titre 3. Bon, donc, monsieur le président de la commission, l'article 30. Hein, sous réserve de la prise en compte de l'observation, je déclare adopté le titre 2. Titre 3. Formation et enseignement sportif. Ce titre comprend les articles 50 à 54. Avez-vous des observations sur ces articles? Pas d'observation. Adopté. Titre 4. Acteur du sport. Ce titre comprend les articles 55 à 81. Avez-vous des observations sur ces articles? Pas d'observation. Adopté. Titre 5. Pratique du sport. Ce titre comprend les articles 82 à 103. Avez-vous des observations sur ces articles? Pas d'observation. Adopté. Titre 6. Financement du sport. Ce titre comprend les articles 104 à 106. Avez-vous des observations sur ces articles? Pas d'observation. Adopté. Titre 7. Distinction et récompense. Ce titre comprend les articles 107 et 108. Avez-vous des observations sur ces articles? Pas d'observation. Adopté. Titre 8. Coopération internationale. Ce titre comprend les articles 109 à 111. Avez-vous des observations sur ces articles? Pas d'observation. Adopté. Titre 9. Disposition pénale. Ce titre comprend les articles 112 à 121. Avez-vous des observations sur ces articles? Pas d'observation. Adopté. Titre 10. Disposition transitoire et finale. Ce titre comprend les articles 122 et 123. Avez-vous des observations sur ces articles? Il y a une observation. Oui. Madame. Sont à abroger toutes les dispositions contraires antérieures, toutes les dispositions antérieures contraires au présent projet de loi. Ceci faut adopter parce qu'on a abrogé de cette date et date. C'est parce que l'alinéa premier parlait de la date d'entrée en vigueur de la loi que les gens ont écrit comme ça. Maintenant, quand on fait, on supprime la première alinéa, il faut écrire l'alinéa de façon indépendante. Okay. Donc, il faut abroger toute disposition antérieure contraire au présent projet de loi. Pour prendre en compte l'observation du député. Alors, donc. Sous réserve, hein, monsieur le vice-président de la commission, on va adopter donc le titre 10. Donc, adopté. Avant de passer au vote sur l'ensemble du texte, je voudrais savoir si les groupes parlementaires ont des explications de vote à donner sur le projet de loi relatif au sport. Les groupes parlementaires. Bon. Non, pas d'explication de vote.
Mesdames et messieurs les députés, je mets aux voix l'ensemble du texte. Quels sont les députés qui sont pour l'adoption? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Le projet de loi relatif au sport est à l'unanimité adopté.